Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Vierges, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis vierges. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent. Merci d'être vous, les amis. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience. Je me suis empatouillée là. Oui, si, c'est ça. Oh là là, j'ai eu un bug, excusez-moi. Oui, c'est des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, les amis, et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Autant pour moi, j'ai bugué. C'est moi qui ai bugué toute seule. Allez, on y va. C'est parti. Semaine du 9 au 15 mai pour nos amis vierges. Ce qui arrive à vous. Il y en a trop. Alors, nous avons l'évolution. Le bouclier, le voyage. La chance. Et le retard. Ok. Petite mise à l'épreuve, mes amis vierges, mais mise à l'épreuve, c'est pas du tout de... Comment dire? C'est pas l'univers, c'est pas tout ça, hein, pas du tout. C'est une mise à l'épreuve de vous vs vous. Je vous explique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer dans votre vie ici, sur un domaine ou dans quelque chose, mais il va falloir sortir de la protection. En fait, vous surprotégez par rapport à ça et c'est ce qui finalement vous coupe de la chance. En fait, si vous voulez cette overprotection, il va falloir la retourner. Et la retourner, c'est que dans votre croyance, dans votre pensée, sur la foi, avec la chance. En fait, c'est-à-dire de dire qu'au lieu de prendre conscience, déjà, on va commencer par là, de prendre conscience que vous vous overprotégez, peut-être en ayant des comportements dans lesquels vous n'osez pas faire confiance, vous vous fermez, vous vous fuyez une situation, vous ne l'affrontez pas, vous n'y allez pas. On vous donne plein de choses sur votre chemin, mais vous ne les utilisez pas parce que vous avez l'impression de vous protéger en faisant ça. Et en fait, si vous voulez, ici, il va falloir laisser ça, en prendre conscience dans un premier temps que c'est votre méthode de protection et de vous dire que vous vous ouvrez parce que l'univers vous protège. Et en fait, si vous voulez, en mettant ça sur la foi, alors bien évidemment, il y a toute proportion gardée, vous voyez ce que je veux dire, hein, ne vous mettez absolument pas... Bon, mes amis vierges, vous savez, j'ai même pas besoin de vous préciser ce que je suis en train de dire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, on se met pas en danger non plus, hein, évidemment. Mais de s'ouvrir, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ici? Bah, par exemple, il y a quelqu'un, on va prendre un exemple sentimental, il y a quelqu'un qui vient vous voir, vous êtes en soirée, et il y a quelqu'un qui vient vous voir ici et qui vous dit j'ai vraiment envie de te connaître, tout ça, voilà, machin. Sauf que vous êtes dans un lieu et que vous, vos croyances par rapport à tout ça, c'est que les personnes qui viennent vous voir dans des soirées comme ça, ils viennent voir tout le monde et n'importe qui, et franchement, c'est pas pour vous, vous trouverez pas la bonne personne. Dans une soirée, vous vous protégez, c'est un moyen de protection, peut-être que vous avez une expérience passée malheureuse sur le sujet, peut-être que c'est votre vision à vous pour vous protéger de x ou y raison, et ici il serait éventuellement intéressant de vous dire que si ce domaine-là vous voulez le faire évoluer,
Bon, si la personne a l'air sympathique et à peu près équilibrée, ça ne vous empêche pas de, je ne sais pas moi, d'ouvrir un petit peu en disant, bon, bah, voilà, on peut discuter 5 minutes, vous avez vos amis autour, etc. Voilà, prendre la température, vous voyez, plutôt que de vous fermer et de vous dire, non, mais de toute façon, c'est pas possible, et hop, merci, au revoir, et je veux rien savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire de vous dire que l'univers, il vous apporte pas n'importe quoi, vous n'attirez pas n'importe quoi non plus, et que vous le sentez, et que vous êtes de manière générale intuitif, et que vous avez votre protection naturelle, vous voyez. Donc, dites-vous qu'il y a un petit peu de chance aussi qui peut être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là. C'est une croyance, en fait, si vous voulez, par rapport à qu'il faut prendre conscience et juste là, lui laisser une légère ouverture pour créer cette évolution, en fait, pour pouvoir accéder à une évolution. Parce que cette protection, elle devient de plus en plus restrictive et stagnante pour vous. Et c'est dommage. Parce que là, il y a de la chance quand même dans ce contexte. Ça peut être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, quelque chose qui est à distance de vous d'une certaine manière, qui nécessite un mouvement. Mais quand on parle du voyage, ça peut être le fait, comme je vous dis, d'aller en soirée dans un autre quartier, quoi, de votre ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément. Après, ça peut être au cours d'un voyage, parce qu'en plus, on est sur le mois de mai. C'est assez courant qu'il y ait des voyages sur le mois de mai. Donc voilà, mais ça peut être un déplacement géographique. Peu importe, vous voyez. Sachez que dans tous les cas, avec cette carte, on vous dit que naturellement, vous prenez déjà de la distance. Vous avez pris de la hauteur sur votre vision des choses. Donc cette overprotection, elle est peut-être pas encore utile de l'utiliser comme ça, puisque vous avez déjà naturellement cette prise de hauteur et cette prise de recul et cette distance. On vous le dit. D'accord? Il est temps d'avancer, de faire évoluer en fait un domaine de votre vie, quelque chose en fait. Vous voyez? On vous le dit, hein, ça vous amène à comprendre que il est temps. Il y a des opportunités, il y a peut-être des wagons, des trains entiers qui vous ont été présentés, mais qu'avec ce bouclier, vous n'avez pas réussi à voir que c'était des chances en fait, que c'était des belles propositions de l'univers et que maintenant, bah, il est temps en fait, là, vous êtes prêts, vous voyez, d'accord? C'est pour évoluer, c'est pour avancer, pour arrêter hein, une certaine sorte de stagnation. Ok. Allez voir avec la liasse qui est mes amis vierges. Semaine du 9 au 15 mai. Sur l'évolution et le bouclier pour nos amis vierges. S'il vous plaît, elle est là. Hop. Ah, vous voyez, c'est quelque chose sur lequel il y avait eu une pause. Hein. Et on vous dit que là, il est temps d'arrêter cette pause. En fonction du domaine de vie ou de la situation que c'est, il est temps d'arrêter de reprendre quelque chose. C'est vraiment de reprendre quelque chose en marche, de mettre quelque chose en marche en fait. Hein. Ouais, on vous dit que ça suffit en fait. On vous dit non, arrêtez avec cette pause, arrêtez de vous éloigner. Peut-être que vous vous êtes dit, ah ouais, non, mais sur ça, je n'ai pas encore assez guéri, je n'ai pas encore assez ceci. Non, non, on y va là, on y va. C'est bon, le temps de pause, c'était sympa, c'était bien, il y avait le temps, vous avez pris, voilà, maintenant on y va. On expérimente aussi. Vous voyez, pour évoluer. Parce que vous pouvez prendre conscience de ce que vous voulez. Vous pouvez guérir de tout ce que vous voulez. Si vous ne vous confrontez pas dans la matière à vivre l'expérience, vous n'ancrez pas, ni dans le corps, ni dans la matière. Et donc, vous restez à l'état de conscience et de guérison, mais vous ne savez pas si vous avez vraiment avancé. Vous voyez? Ce que je veux dire, vous le ressentez à l'intérieur. Maintenant, il faut le vivre, il faut le mettre en application. Il y a la théorie, il y a la pratique. Et en théorie, on pense avoir avancé sur certaines choses. Et parfois, en pratique, on est carrément halluciné de, en fait, bien plus loin. D'où on est, vous voyez? C'est pas forcément que dans l'autre sens non plus. Ok? On est bien plus près qu'on imagine. Sur le bouclier et le voyage. Mes amis vierges. Sur le bouclier et le voyage, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Ah, ça va vous demander un engagement. Il y a peut-être une signature à faire qui va. Mes amis vierges, ici, il va falloir prendre conscience, puisque c'est un truc sous-jacent que l'on me dit, c'est que vous avez l'impression que si vous vous engagez dans quelque chose ou si vous signez dans quelque chose ici, c'est comme si vous alliez générer un nouveau manque dans votre vie. Comment vous expliquez ça? Enfin, c'est assez clair en fait. C'est tout simplement, en fait, quand on va vers l'inconnu, et qu'on a fait tout un taf, et le taf c'est votre vie, c'est votre expérience de vie, c'est tout ce que vous avez vécu,
Parfois, quand on va vers un nouvel engagement où il y a de l'inconnu, on se pose la question, parce que c'est humain et ça fait un peu peur, on se dit oui, mais si je m'engage dans ça, je vais manquer de ça. On imagine en fait un manque. Sauf que cette nouvelle situation, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle va répondre à des choses qui vous manquaient, que vous ne connaissiez déjà pas. Donc ça va venir combler des énergies, combler ou vivre tout simplement, expérimenter, c'est mieux, des nouvelles énergies que vous ne connaissiez pas. Mais sachez que si vous n'y allez pas, vous n'allez jamais les connaître. Et que si un jour ça évolue de nouveau, ça risque de vous manquer dans tous les cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, j'ai l'impression, c'est un peu fouillis, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc ne commencez pas à imaginer que vous allez déjà manquer de quelque chose alors que vous allez vers une expérience, un engagement sur lequel vous ne connaissez pas. Donc qui va vous créer des nouvelles choses que vous n'imaginez même pas. Et ça se trouve, ce manque que vous êtes en train d'imaginer n'aura même pas le temps d'avoir de la place. Pourquoi ne voyez-vous pas finalement, pourquoi ne regardez-vous pas finalement ce que ça peut vous apporter en plus plutôt que en moins ou en soustrait, mais en plus. De nouveau, de mieux, de ce que vous voulez. Sur la chance, c'est quoi cette chance, s'il vous plaît, pour nos amis vierges? Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Non, ça c'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Sur la semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît, sur la chance pour nos amis vierges. Non, mais j'en ai trois, mais j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Alors, la chance ici est vraiment représentée sur. En fait, on me dit c'est sûr. Sur quelque chose qui va vraiment acter et changer et un engagement sur votre quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient effectivement. Entre guillemets, envahir votre espace, mais quelque chose qui est de l'ordre du quotidien, des habitudes, de votre fort intérieur. Hein. Ça vient vraiment prendre une bonne place. Ici, on peut imaginer que vous avez mis une pause sentimentale à un moment donné. Vous avez mis une pause, par exemple, sur le domaine professionnel, peut-être. Et vous voyez que là, ça vient. Si vous retournez, si vous faites rentrer quelqu'un dans votre intimité, que vous vous engagez au niveau sentimental, forcément, ça va prendre une place dans votre quotidien, dans votre fort intérieur, dans votre vie, peut-être dans votre maison. Vous voyez, le travail, c'est la même chose, ça va reprendre une place dans votre quotidien. Elle est là, l'idée. C'est vraiment quelque chose qui. C'est pour ça que je vous avais peur de manquer, en fait, parce que c'est quelque chose, c'est une habitude que vous avez connue jusqu'à présent, c'est rassurant, c'est sécurisant, et forcément. Ça va changer, donc vous avez peur de manquer quelque chose, mais imaginez que avec le plus que vous allez avoir dans cet engagement et dans ce qui va se passer, ce plus, peut-être que vous n'aurez même pas le temps de regarder ce qu'il y avait avant. Vous allez peut-être oublier que ça, finalement, ça ne vous manque pas du tout. Imaginons que là, vous êtes sur. Dans les deux cas, pro ou sentimental, peu importe, vous avez peut-être peur du coup de vous oublier, ou de. Non, pas de vous. Si, de vous oublier, de plus avoir assez de temps pour vous. Et finalement, comme c'est une chance, et bien bon, on a l'air quand même d'être dans du donner et recevoir et de l'inconditionnel ici, hein. C'est ce qu'on vous indique quand même, à la hauteur de ce que vous êtes et du respect que vous méritez et des vibrations que vous avez, parce que là, il y a quand même l'évolution, donc vous avez vraiment fait un travail sur vous pour arriver jusque-là, pour arriver à cette reprise dans un domaine-là. On vous dit là que clairement, mince, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Oui, que ça va vous apporter des choses que en fait, vous. C'est comme si on me dit, vous ne referez pas les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'était expérimental. Imaginons que dans une. On va reprendre le sentimental. Ou le pro. Le pro, le sentimental. Vous êtes arrivé à un truc où énergétiquement, vous étiez au burn-out. Parce que vous vous êtes oublié. Parce que vous avez ceci. Aujourd'hui. Vous avez appris, vous vous êtes relevé, vous n'allez pas repartir tête baissée à refaire la même chose. Et peut-être aussi que ce travail n'était pas aussi nourrissant aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir un travail qui va tellement être nourrissant au quotidien que vos énergies ne vont pas être basses. Donc quand vous allez rentrer le soir, vous allez avoir de l'énergie à revendre pour vous occuper de vous, pour faire ce que vous avez à faire pour vous. Avant, vous rentriez, vous vous mettiez peut-être dans le canapé, vous n'en pouviez plus, rien que de faire à manger, c'était compliqué, c'était trop lourd. Aujourd'hui, vous avez le temps de faire à manger, d'écouter trois vidéos, de lire deux chapitres de votre livre, et encore de faire ceci, et de faire cela, et machin, et truc, et bidule, votre petit cours de yoga et tout, et même le matin et tout, parce que vous n'êtes plus du tout dans le même contexte, vous voyez.
Pareil pour le sentimental. Même chose. Ok? On vous dit vraiment que là, il y a des. En fait, on vous. L'univers entre la chance et le retard, vraiment là, on vous propose des possibilités de choses qui peuvent évoluer vraiment avec un don inconditionnel. C'est-à-dire que c'est à la hauteur de l'amour que vous vous portez, de ce que vous pouvez donner et recevoir, vous voyez? C'est plus la même, mes amis vierges. C'est plus la même chose qu'avant, là, hein? Ok, on va aller voir le développement personnel? C'est parti. Semaine du 9 au 15 mai pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Elle est là. Hop. Je m'estime, vous voyez, je suis digne. Ah, puis c'est la carte qui regroupe le tout. Hein. Ouais. Mes amis vierges, ça, en termes de développement personnel, et puis je suis prête à recevoir ou je suis prêt à recevoir, mais évidemment, évidemment. L'univers vous urge de vous dire, écoute, fais-moi confiance, quoi. Fais-moi confiance. Tu as atteint un stade d'estime. Je me permets de parler au nom de l'univers, lol. En gros, ce qu'on vous dit, c'est tu as un stade, tu as atteint un stade où tu as un amour de toi dans ce domaine ou dans cette situation, hein, où tu t'estimes, clairement, ta dignité et ton intégrité, elle est au top. Tu t'aimes, tu te trouves de plus en plus belle, tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête, clairement. Maintenant, va falloir se rendre compte que tu peux vivre du coup des choses à la hauteur de ça. Et c'est pas qu'avant tu n'avais pas le droit, hein, c'est pas le sujet, hein. C'est que avant, comme tout ça n'était pas forcément au top du top, tu te refusais à recevoir. Donc ce que tu recevais qui n'était pas assez bien défini à l'intérieur pour pouvoir le donner également, ben, du coup ça créait des expériences d'auto-sabotage. Voilà, tout simplement. Quand on n'arrive pas forcément à s'aimer, c'est pour ça qu'on vous parle bien souvent de commencer par l'estime de soi, de s'aimer soi et tout ça, parce que si on ne s'aime pas, on peut nous apporter tout l'amour du monde, on va le rejeter en bloc d'une manière ou d'une autre. Ça va passer par quoi les rejets? Vous allez vous reconnaître dans certaines situations. Ça va être de la jalousie excessive, ça va être parce que la jalousie excessive vient montrer un manque de confiance en soi, un manque d'ancrage bien comme il faut dans son corps, de la possessivité, d'accepter des situations où votre confiance elle peut être bafouée, etc. Mais vous continuez à donner, 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 et vous recevez pas du tout à la hauteur de ce que vous donnez, vous voyez? C'est des déséquilibres comme ça. Et là, on vous dit, bon, t'as remis tout ça d'aplomb, maintenant on va reprendre ce domaine, du coup, maintenant que tu l'as travaillé et tout ça, on va aller le vivre quand même, parce que là, tu as remonté tes énergies, maintenant il faut les utiliser, tout simplement. Il faut les utiliser dans le donner, dans le recevoir, pour que les échanges soient là. Et donc, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à recevoir, autant que vous donnez dans le don inconditionnel, dans des situations qui seront bonnes, parce que vous n'allez pas passer votre vie à avoir des situations qui se répètent de pareil. Si vous étiez dans ça, vous n'écouteriez pas des guidances, les amis vierges. Je vous le dis, vous n'écouteriez pas des guidances, parce que et les personnes qui enchaînent comme ça des expériences, et je l'ai été, donc je ne dénigre personne, attention, je l'ai été, vous l'avez été aussi, si vous êtes honnête avec vous et humble, vous vous rendrez compte qu'il y a une période de votre vie où vous n'avez pas du tout eu accès à la spiritualité ou à tout ça, où vous rejetiez tout en bloc et vous étiez là, mais de toute façon, c'est les expériences, c'est les gens, c'est machin, c'est le truc, je ne comprends pas, hein, et vous étiez là, non, parce qu'on le passe tous, parce qu'il faut qu'on expérimente. Et une fois qu'on en a ras-le-bol, et qu'on se dit, mais je comprends pas, je donne autant de choses comme ça et je ne reçois pas. Et là, il y a des personnes, il y a des choses qui viennent à vous et qui commencent à vous parler. Vous vous en rendez compte, vous dites, ah, c'est peut-être la solution. Ah, c'est peut-être ça. Ah, mais oui, j'ai accepté ça. Et là, ainsi de suite. Bon, bah là, maintenant, ça y est, on y est. Donc, on va les vivre dans l'expérience parce qu'il y a des situations qui sont pour vous quand même, hein. Vous voyez? C'est beau. J'adore. J'adore les messages comme ça. On y va pour le pro? Du 9 au 15 mai pour nos amis vierges. Les fausses promesses et voix plus grande. Bon, mes amis vierges, ici au niveau du pro, on vous dit que clairement vous jouez petit.
Vous jouez petit, mes amis vierges, vous jouez petit, sauf que l'univers, il a du grand à vous donner là. Il a vraiment du grand à vous apporter. Il va falloir croire en votre chance, il va falloir arrêter de se protéger en pensant que, il faut passer étape par étape, machin, mais non, mais je ne suis pas encore assez ceci, je ne suis pas encore assez cela. En fait, on vient vous dire que par à chaque fois ce que vous mettez en pause ou que vous repoussez ou que vous vous dites je ferai ça la semaine prochaine, je ferai ça le mois prochain, je ferai ça machin parce qu'il me faut encore ça. En fait, à chaque fois, vous créez dans les énergies et à vous-même des fausses promesses. C'est-à-dire que vous vous dites quelque chose puis finalement le temps passe et vous ne le faites pas et ainsi de suite. Et en fait, même dans les situations extérieures, c'est peut-être ce que vous faites. Là, vous avez peut-être la proposition d'une évolution sur un engagement, sur une signature, pour aller vers un engagement dans le pro pour évoluer. Et en fait, vous dites oui, je vous rappelle, on se fait un café, un déjeuner, on se rencontre la semaine prochaine. Et en fait, à chaque fois, vous repoussez le truc. Ou alors, vous ne le faites pas. Et du coup, vous avortez le truc. Vous voyez, vous dites non, mais c'est bon, il y aura une autre occasion qui se représentera. Mais enfin, l'univers, ça va, vous voyez. Il vous dit, bon, ben, il y a un moment donné, si tu veux pas y aller, tu veux pas y aller, vous voyez. Il y a des choses aussi très certainement qui vous ont été par le passé refusées. C'était pas refusé parce que vous n'étiez pas à la hauteur, parce que vous n'étiez pas assez prêt ou quoi que ce soit. C'est parce que c'était pas assez grand pour vous. Il fallait encore que vous preniez en expérience de quelque chose. Il fallait qu'il y ait d'autres choses qui se passent pour que vous arriviez à ce stade-là d'estime de vous. Et aussi au fait qu'il y ait une vision plus grande qui se présente. Et je pense qu'il y a quelque chose d'évolutif ici qui arrive, qui vraiment vous montre que vous pouvez voir plus grand. Et que quelqu'un, ou peut-être même une situation, vous voit plus grand pour vous. Et vous dit, mais c'est toi que je veux pour faire ça. Et là, vous êtes là, waouh, ah ouais? J'aurais jamais imaginé ça. Vous voyez? Là, on vous dit que c'est pas un traquenard, quoi, si vous voulez. C'est pas un traquenard, là. Il va falloir y mettre de la volonté. Parce qu'avec le chakra du plexus solaire ici, avec voix plus grand, il va falloir y mettre de la volonté. C'est la volonté, le chakra du plexus solaire, il tape direct sur l'estime de soi. Et on vous dit que vous êtes prêt. Enfin, arrêtez de se mentir, là, entre guillemets, à soi-même. Hein. D'arrêter de se promettre des choses, de dire oui, je veux ça, je veux voilà, je veux nanani, nanana. Et puis dans les faits. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ok? Voilà mes amis vierges. Allez, on va terminer avec le sentimental pour vous. C'est parti. Pour nos amis vierges. Semaine du 9 au 15 mai. La fusion des sentiments. Et la surprise avec la nouvelle lune. Ouh, je pense qu'il s'est passé un truc pour vous. Fin avril peut-être, puisque c'était la nouvelle lune en taureau. Ou bien, les amis, la nouvelle lune précédente peut-être. Qui était en bélier le 1er avril. Regardez voir ce qui s'est passé à ce moment-là peut-être. On vous parle de quelque chose qui a peut-être eu lieu également depuis décembre. Qui a commencé à naître en décembre. Et en même temps, c'était l'histoire de rétrograde de Vénus et de Mars et compagnie. Donc, bon, bref, ceux qui s'intéressent pas à l'astrologie, au moins avec les dates ici, et si ça ne vous parle pas, ben, ce n'est pas grave, vous prenez quand même un message général. Pas besoin que ça corresponde à tout le monde. Ok. Ouh, d'accord. Ok. Bon, les amis vierges, nous avons la Lune. La spiritualité, la fusion des sentiments, retour d'ex-partenaire, flashback du passé, la surprise à la nouvelle lune. Les amis vierges, il y a vraiment quelque chose de possible au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, dans votre dynamique de couple ou avec une personne dans le cœur. Ici, ça fait quelques mois que vous avez vraiment travaillé sur vous, que vous avez été à l'écoute de vous quant à vos besoins, quant à ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Vous avez peut-être guéri des choses. Travaillez sur vous et là, on vous dit qu'il est temps de renouer maintenant avec l'extérieur. Il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de se protéger, il faut arrêter ici de continuer à travailler inlassablement sur soi parce que vous y êtes. Maintenant, il va falloir aller expérimenter. Et votre force ici,
elle est que clairement, vous avez renforcé votre amour de vous-même et vous avez clairement, vous êtes à l'écoute de vous à chaque instant. Vous ne vous oubliez plus aujourd'hui, vous n'oubliez plus d'écouter votre cœur, d'écouter vos besoins. Donc ici, vous pouvez vous engager avec l'univers, dans la matière, sur quelque chose, dans le sentimental. Vous pouvez faire confiance. C'est qu'une histoire de confiance et de lâcher prise, entre guillemets, quant à cette protection, cette overprotection qui vous empêche de vivre dans la matière ce que vous avez fait d'un travail extrêmement beau intérieur. Là, il y a vraiment une dynamique qui peut évoluer sur le sentimental. Là, on peut avoir un souci qui s'est passé dans le couple qui dure depuis déjà un petit moment. Là, vous pouvez vraiment passer sur une autre dynamique et faire évoluer les choses, hein, vraiment. Avec un nouvel engagement, avec une nouvelle fusion des sentiments, tout ça parce que vous avez restabilisé les choses intérieurement. Vous êtes même redécouverte ou redécouvert. Le travail avec les lunes, là, si vous travaillez avec les lunes, les amis, on a eu l'impulsion... ça vous a dit la nouvelle lune et je vous ai dit la nouvelle lune en bélier, donc on a eu l'impulsion du bélier. Maintenant, il va falloir ancrer dans la matière. C'est la période du taureau là quand même, hein. Donc on ancre dans la matière, signe de terre, c'est favorable pour vous. On ancre dans la matière quelque chose de stable et de durable. Donc effectivement, on vous dit qu'il y a une très belle surprise, soit à la suite, soit pendant cette semaine. Dans ce que vous vivez là, il y a une très belle surprise. Ici, on vous parle du voyage, donc c'est peut-être lors d'un déplacement ou il y a peut-être un déplacement, quelqu'un qui vient à vous, c'est possible, pour vous demander un engagement pour quelque chose. Ici, on vous dit que c'est très surprenant et qu'il va falloir faire confiance. Ça peut être effectivement le retour d'un ex-partenaire ou d'une personne du passé que vous connaissez, mais qui n'est peut-être pas votre ex, mais en tous les cas, quelqu'un du passé. Et ça vous prend par surprise. Ça peut faire revivre une situation du passé dans laquelle vous avez été confronté, mais sauf qu'aujourd'hui, il va falloir ne pas se protéger par rapport à ça, mais faire confiance à tout le travail que vous avez fait pour qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des réminiscences du passé, de peur que ça se repasse pareil, ou vous voyez des petits... Il va falloir les laisser de côté et se laisser surprendre par la vie et faire confiance à la chance ici, hein. Clairement, ça va être important ici, parce que c'est une nouvelle opportunité qu'on vous offre là. Donc il y a ça, il y a le retour de l'ex et le retour du flashback, ouais, c'est ça, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose de surprenant et peut-être qu'on revient aussi sur quelque chose. Dans votre dynamique de couple, on peut revenir sur quelque chose que vous pensiez complètement dépassé. Imaginons que vous aviez parlé il y a des mois en arrière d'emménager ensemble et que la personne, elle vous avait dit « non, 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 non », que vous aviez enterré le truc et vous étiez là, vous étiez même en train de vous poser la question « bon, bah, moi, ça me va pas, est-ce que… » voilà, et que là, la personne, de manière tout à fait surprenante, dit « mais oui, je veux, est-ce que tu veux emménager avec moi ?» Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça. Ok, on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière, mes très chers amis vierges. Allez, c'est parti. Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Voilà mes très chers amis vierges, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.